Ah, fais pas comme si que ton message s'envoie pas, Michel. On sait que t'as envoyé un émoticône de chargement. On n'est pas des débiles, hein. Bon. Rencontrer Kaeya. Ah, c'est quoi ça? Un écureuil. Ah, je l'ai défoncé. Coudon bloc, tu as mis un mode sur... Non, non, mais c'est pas Zelda, hein. C'est un jeu qui ressemble à Zelda avec des waifus, hein. Je l'ai bien marqué dans le titre, hein. La suite du jeu qui ressemble à Zelda, mais avec des waifus. Donc c'est pas Zelda, hein. Ça ressemble à Zelda, mais avec des waifus. Mais il est beau, hein. Il est beau, hein. Moi, je trouve qu'il est beau. Au moins ça, hein. Parce que si un jeu, et ça c'est fait par un studio chinois. Si jamais vous, je vous fasse, je pense ça comme, c'est comme ça qu'on dit. Si jamais vous voulez que je vous fasse, ça se dit pas. Comment je pourrais dire ça? Si jamais vous voulez que je fais, je pense que c'est ça. Bah vous avez compris quoi. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour parler de ce jeu-là, bah vous me direz. Hein, 5 choses à savoir sur Genshin Impact, ça pourrait être stylé. Je sais, mais le décor ressemble. Ouais, bah ouais, bah c'est parce que c'est un jeu totalement copié sur, sur Zelda Breath of the Wild. Hein. C'est totalement copié et il l'assume. Il l'assume, ces fils de pute. Tu vas sortir de là? Voyons donc. Comme dirait Michel. Souille. Ok, il assume, hein, c'est un jeu totalement repompé sur sur les Breath of the Wild. Mais après, bon, repompé ou pas, tous les jeux qui se copient entre eux, en vrai. À l'époque, Sonic et Mario, ils se copiaient entre eux, hein, y a personne qui disait rien. C'est juste qu'il y a un truc, t'étais un bonhomme bleu et l'autre t'étais un bonhomme rouge. Donc à un moment, bon. Faut pas jouer au rabat-joie, mais bon, faut arrêter à un moment. Moi, tant que le jeu il est cool. Il se copie ou pas? Qu'est-ce que je m'en bats? Ouais, tu vas sortir ou pas là? Oh putain! Allez, viens te battre! Est-ce que tu donnes des trucs cool? Bave de blob. Moi, je m'en fous de la bave, je veux l'expérience. Vas-y, balance du contenu, frérot. Ah, les chinois. Ouais, bah je vous préparerai une petite vidéo. Vidéo sur cette chaîne 5 choses à savoir sur Genshin Impact. Peut-être pas cette semaine, peut-être la semaine prochaine. Le temps que j'y joue un petit peu et que je fasse quelques recherches. Parce que pour parler d'un jeu, faut quand même le connaître un petit peu. Et en plus là aussi en off, parce que je peux pas le filmer, je joue comment il s'appelle? À Luigi Mansion 3. Ah putain, j'adore ce jeu. Luigi Mansion 3. Les Luigi Mansion, ça fait partie de mes jeux préférés avec les Pokémon. Et là je suis en train de. Je suis justement en train de torcher Luigi Mansion 3 des fois un petit peu le soir. Pendant que Audrey fait son travail. Et je surkiffe. Bon après là le truc c'est que je sais pas trop si je vais pouvoir continuer à jouer le soir vu que je vais travailler en tant que livreur un petit peu dans une pizzeria. Ah ouais mais. Ah ouais. Vas-y attends. Le feu. Allez le feu. Oh. La bite. Là on est obligé de prendre Amber parce que c'est Amber qui a l'avantage sur lui qui est un type glace. Ah, pas malin d'affronter des niveaux plus forts que soi. Mais c'est ça qui est bon. Tiens, prends ça mon fumier. Allez, dernière attaque. Et oui. Oh putain. Ok là. Ouais, putain, bien joué ça. On a eu chaud au cul, hein. On a eu chaud au cul, hein. Il faut le dire comme c'est. On a eu chaud au cul. Toi qui tu es, petite madame, Chloris botaniste. Ça faisait un moment qu'un animal ne m'avait pas adressé la parole. Quoi? Espèce de pute. Bon, c'est Chloris, je suis botaniste seul et unique, connu dans tout le monde d'art.
sale pute. Elle m'a traité de... Wesh. Ça va bien, quoi. Moi, faut... À un moment, tu me parles bien ou tu me parles pas, en fait. Tu me parles bien ou tu me parles pas. Je suis niveau 5, c'est bien, ça. Allez, on va continuer les quêtes. Mais ça, c'est un méchant, ça. On est d'accord que ça... À niveau 9. Ah, mais je suis... Mais j'ai envie de les attaquer, hein. Biog violent... Ah bah, toujours. S'ils sont niveau 9, mais j'ai envie de les attaquer, hein. En vrai, je m'en bats les couilles, je les attaque. La fuite. Ah ouais, ils ont des sorts et tout. Tiens pour ça. Ah ouais. Vas-y, attends. On va te niquer ta race. Mais reviens. Reviens. Tiens pour ça. En vrai, ils sont niveau 9, mais... Je pense qu'il y a moyen. Lui, il y a moyen qu'on le nique sa race. Tiens pour ça. Tiens pour ça. Tiens pour ça. Et toi, t'es mort. Prends ça. Putain, y a large moyen. Tiens, prends ça. Vas-y, y'a moyen, y'a large moyen. Niveau 9. Vous êtes des bites. Vous êtes des bites. Ah là là, mais niveau 9, mais nul à chier, quoi. En fait, faut juste pas avoir peur d'aller les défoncer. Eh, on est pas mauvais là. On est pas mauvais là. Coffre délicat. Conseil de l'aventurier, on prend tout. On prend tout. J'ai juste regardé un petit peu le niveau de mes personnages, tiens. Amber niveau 5, Rena niveau 7. Ah, bah c'est pour ça en fait. J'ai niveau 7. Si pour ça, si pour ça. C'est pour ça que je suis capable de battre des niveaux 9, parce que je suis pas si nul que ça en fait. Ouh, c'est quoi ça? C'est joli. Oh putain, j'en ai marre des blobs qui viennent derrière moi comme ça, putain. Vous faites attention les jumpscares comme ça. Mais c'est joli ça, cette fleur là. C'est joli, mais ça sert à rien. Sinon, Speedbreak, ça va bien. Ben, ça allait bien. Jusqu'à ce que je joue avec Flo. Et Flo, comme il a exactement 20 niveaux de plus que moi, je suis tombé contre des joueurs assez forts. Donc du coup, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais en vrai, sinon, j'aime bien le jeu. Je suis pas un ouf. On va se le dire. Hein. Je suis pas très fort à Speedbreak. Hein. Il faut le dire comme c'est. Mais je kiffe bien. Alors là, lui c'est un esprit de glace, il va niquer sa mère avec du feu dans le cul. Et c'est là que Umber devient très intéressante, parce que Rena, elle a plutôt des attaques de vent ou d'eau. Et elle a plutôt des attaques de feu, et en plus à distance, ce qui est très intéressant en termes de combat. Mais sinon, ouais, Speedbreak, j'aime bien. Franchement, le jeu est sympa. Le jeu est sympa, en plus, ça change un peu de Fortnite, donc ça fait du bien. Parce que Fortnite, c'est cool, hein, mais tout le temps, Fortnite, à un moment, ça casse un peu les couilles, quoi. Après, je joue pas à Speedbreak en mode... Ah ouais, les voitures, elles se donnent à cœur joie, là, les putains de voitures. Après ça, je joue pas à Speedbreak en mode YOLO, j'y joue toute la journée en mode SCUSCU, on s'arrête jamais. Non, j'y joue un petit peu de temps en temps. J'y joue un petit peu de temps en temps et quand j'y joue, bah j'y joue quoi. En plus, comme Flo, il aime bien y jouer, bah je joue avec Flo. Ça me permet de retrouver un petit peu... un petit peu de jeu avec un pote quoi.
Après c'est pas... Putain, ça me donne des dégâts ce truc de merde en fait. J'étais sûr qu'il y avait une couille. Bah je suis brûlé, bah voilà. Je suis brûlé. Moi je viens de l'installer mais seulement j'ai peur d'être déçu. Bah après il est pas nerveux comme Fortnite hein, il est plus tactique et il y a une prise en main, c'est tout, il y a une prise en main comme Fortnite. Fortnite il y avait une prise en main, Speedbreak ah putain mais les motos c'est un truc. Speedbreak il y a une prise en main aussi quoi. Mais c'est pas mal hein, c'est pas mal hein. C'est ce que tu avais dit avec Flo. Ouais, c'est ça, tous les joueurs Fortnite ça saoule en fait. Il faut changer un petit peu les jeux. Donc ça c'est pour ça que là je change un peu les jeux. Là en ce moment j'aime beaucoup jouer à Kenshin Impact, Speedbreak et Call of Duty. Là en ce moment Call of Duty WW2. J'aime bien. J'aime bien Call of en ce moment, je sais pas. Je suis nul à chier, mais je sais pas, ça. Ça me fait kiffer, Call of. Soyons honnêtes. Après, là, c'est vrai que le WW2, il est un peu moins nerveux que BO3. Donc, BO3, je préfère un peu. Parce que c'est nerveux, tu vois. Là, c'est. C'est moins nerveux. Tu le ressens. Mais bon. Un Call of, c'est un Call of, de toute façon. Donc, je trouve que ce fait par Triarch et ce fait par... je sais plus comment elle s'appelle, Activision, ça diverge un peu. Tu le sens que... C'est pas les mêmes moteurs de jeu, etc. Tu sens que le gameplay est pas fait pareil. T'as vraiment les Call of Triarch et les Call of Activision. Et moi, c'est vrai que je préfère les Call of Triarch, au final. C'est les BO, quoi. La série des BO. Des Black Ops. Ouais, laisse-moi te montrer les chevaliers. Nickel. Ah ouais, putain, je suis obligé de le jouer lui. J'ai pas envie de le jouer lui. J'ai pas envie. Ah, c'est le mec. J'ai pas envie. WW2 est pas mal. Qu'est-ce que j'ai aimé jouer en mode histoire et aux zombies. Ah ouais, j'ai pas encore joué au mode histoire, moi. Faudrait que je teste le mode histoire, d'ailleurs. C'est pas Infinity War. Non, moi c'est WW2 que j'ai, pas Infinity War. C'est quoi ces attaques? Ah ouais, ça part toujours les doigts. Vas-y, on va les niquer ou pas? Les ennemis deviennent trempés quand ils sont dans l'eau. On peut geler l'eau. Ok, ouais. Je m'en bats les couilles en fait, moi je veux juste les niquer là. Oh là là, ça rigole plus. Ah mais en fait il est stylé lui. Oh putain, il a un bon petit gameplay lui, sa mère en fait. T'as un bon petit gameplay toi mon pote. Oui. Fait des déportations et tout. Oh je l'ai. Infinity War c'est les développeurs. C'est pas un jeu. Infinity War, c'est un... non, je pense pas. Je crois que c'est Triarch et Activision, les deux équipes. Mais après, dans chacune des grosses équipes, t'as plusieurs petits développeurs. Donc peut-être Infinity War fait partie d'un des petits développeurs. Parce que par exemple, il y a Binox aussi. Binox, qui est à Québec, fait partie des développeurs de Call of Duty. Enfin, des studios qui participent au développement de Call of Duty. Parce que Activision est la compagnie de publication. Ah ouais, peut-être, j'irai me renseigner. T'as peut-être pas tort, Michel. Dans l'histoire, tu vas plus stresser pour tes potes que toi. Ah, dans l'histoire. Ouais, bah c'est sûr, parce que toi, en vrai, tu t'en bats un peu les couilles, en vrai. Souille. Ouais, c'est sympa, ça. Donc là, lui, il a des pouvoirs de glace. Et du coup j'imagine que comme eux ils sont trempés, bah je peux les geler en fait. Genre tous les trucs hydro comme ça, je peux les geler et ils ne comprennent plus rien à leur vie. Ouais, c'est ça. Putain j'aime bien ce type de jeu.
J'aime beaucoup. Il y a 3 équipes de développeurs. Ouais, c'est ça. Il y en a même plus. Hein. Bah, des équipes, oui, mais après, il y a plus de studios, quoi. Il y a beaucoup de studios qui travaillent sur les Call of Duty, hein. Il y a beaucoup de studios. Hein. Par contre, c'est vrai que les pouvoirs du mec sont intéressants et assez stylés. Mais je préfère quand même jouer avec les filles. Je préfère quand même jouer avec les filles. Donc je t'aime bien mon pote, mais voilà quoi. Ils font un tuto sur lui, donc je vais jouer avec lui. Mais en vrai, j'ai pas envie. J'ai tellement pas envie. Mais il est trempé, il faut que je fasse ça. Je sais. Il est petit. Mais ils sont morts. Ils sont morts. Je sais que je devrais écouter le jeu et jouer avec le mec. Mais c'est pas de ma faute si je préfère les waifus. Ah sinon j'ai eu Kakarot. Ah stylé ça. Je sais pas, 10€. 10€. Je crois qu'il est en promotion en ce moment sur le store Kakarot. Ah par contre il a des pouvoirs vraiment intéressants. C'est vrai que là par contre il a des pouvoirs assez intéressants ce mec là. Moins de 10€, putain. 5€. Tu l'as eu sur quoi? Sur le store ou en version physique? Moi je l'ai même plus dans le mode Kakarot, j'ai dû le vendre. Parce que j'avais que lecteur, donc ce qui m'a fait un peu moins de 5€, putain. 2€. Gratis. Gratis, c'est bien. T'as vu que c'était un gacha et que tu peux avoir des waifus en plus. Je peux avoir des waifus en plus. Non, j'ai pas vu Flo. Comment ça je peux avoir des waifus en plus Développe ton idée. J'ai eu Rocket League gratuit sur PC. Ah mais c'est bien, on va pouvoir jouer. Ouais. On va jouer à Rocket League. Ah ouais, ils sont venus sans plus. Ah ouais. Bien, hein. Oh ouh. Allez, tête la flèche. Ouh. Kishidan wa shigoto no kouritsu ga waru sugiru. Mondai nai. Okage de omae mo makikometan da. Alors lui il pète la classe. Hein. Oui, Rocket League est passé gratuit pour tout le monde, c'est devenu free-to-play. Ben, moi j'ai toujours eu Rocket League gratuit parce que je l'ai pris au tout début. Et au tout début Rocket League il était gratuit. Par contre Flo, développe ton idée des tu peux avoir plusieurs waifus là, c'est où qu'on peut avoir des waifus? Explique-moi comment on fait ça là.